Alors disons que nous mobilisons plutôt l'approche pragmatique en éthique, et on aura l'occasion d'en dire plus tout à l'heure, mais on peut dire d'une certaine manière que ce tournant pragmatique marque un passage entre une éthique plutôt orientée vers le contenu de principes du bien, du juste, vers plutôt une approche de l'éthique comme processus, comme délibération, comme expérimentation, comme processus d'apprentissage. Donc c'est à la fois un courant philosophique bien connu qui trouve ses racines dans un courant philosophique développé aux États-Unis au début du XXe siècle par des gens comme James Peirce ou Dewey, et qui aujourd'hui fait l'objet de ce que certains appellent le néo-pragmatisme chez des auteurs comme Rorty, Putnam ou Cheryl Misak par exemple. Mais disons qu'on peut dire aussi que cette approche se développe à travers, et en particulier dans le champ de la santé ou de la médecine, le fait qu'on est dans un contexte qui est marqué par le pluralisme, la pluralité des savoirs, la pluralité des acteurs, la pluralité des organisations, et que de ce fait, on a tendance à penser et à être confronté à ne plus pouvoir donner une réponse de surplomb aux questions éthiques qui se posent dans la pratique de ces acteurs. Et à partir de là, de devoir plutôt aller vers des processus, des expérimentations, des délibérations, et donc de se rendre attentif à toute une série d'aspects qu'on peut dire pragmatiques, comme le rôle des acteurs, le type d'interaction qu'ils ont entre eux, etc. Et que c'est, je dirais, au terme de ce processus qu'éventuellement des réponses, des orientations peuvent être trouvées. Et voilà un petit peu ce qu'on peut caractériser comme étant ce tournant pragmatique en éthique et en philosophie. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter en pédagogie de l'éthique? Il y a effectivement toute une réflexion aussi, étant donné ce mouvement, sur ce que ça veut dire enseigner l'éthique. Quel type de transmission? Est-ce que ce n'est uniquement une transmission de savoir, ou est-ce que c'est aussi une transmission de compétences, ou en tout cas le fait de pouvoir forger des compétences? Donc là aussi, ça a des impacts sur le type d'enseignement que l'on va faire. Est-ce qu'on se cantonne à un enseignement, je dirais, purement théorique, ou est-ce que c'est un enseignement qui est susceptible d'être fait de manière beaucoup plus pratique à travers des jeux de rôle, des expérimentations et des choses comme ça, pour notamment, par exemple, pouvoir acquérir des attitudes, pouvoir discuter, débriefer d'attitudes, etc.